Je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus, c'est-à-dire 350 000 euros en or, chez soi. C'est une somme assez... Je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté et je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce ? Viens, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là ? Nous venons de d'arriver. Vous avez entendu ? Quoi, mon père ? Là ? Quoi ? Ce que je viens de dire ? Non. Si fait, si fait. Je vous demande pardon. Je vois bien que vous en avez, oui, quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Plutôt à Dieu que je les eusse, 10 000 écus. Je crois que ce serait une bonne affaire pour moi. Je pense j'en aurais bon besoin. Cela m'accommoderait fort. Et je ne me plaindrai pas comme je fais que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. On sait que vous avez assez bien. Comment ? J'ai assez de bien ? Ceux qui le disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez pas en colère. Ça est étrange. Mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce votre ennemi que de dire que vous avez du bien ? Oui, de pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours, on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles.